Dans la vidéo précédente, on a vu le mécanisme de la réaction de Birch à partir du benzène. On va se demander ici qu'est-ce qui se passe si, au lieu de partir du benzène, je pars d'un cycle benzénique monosubstitué et que je lui fais subir les conditions opératoires de la réaction, à savoir le mettre en présence de sodium métal, dans un milieu ammoniaque liquide et en présence d'alcool. Eh bien, il y a deux possibilités, en fonction du caractère du substituant Y qu'on va avoir sur le cycle. Il se trouve que ce qu'on observe expérimentalement, c'est que si le groupe Y est un groupe attracteur d'électrons, je vais observer une réduction et une protonation des carbones qui sont situés en ipso et en para du cycle benzénique par rapport au substituant. Donc cette position, on n'a peut-être pas encore vu ce mot, on avait dit que cette position ici était ortho, ici méta, ici para. Eh bien le carbone qui porte le substituant, on appelle ça la position ipso. Donc dans le cas d'un groupe Y attracteur d'électrons, on va observer une protonation et réduction des carbones en ipso et en para du substituant, et on obtient le diène le moins substitué. Dans le cas d'un groupe Y qui va être donneur d'électrons, au contraire, on va observer une réduction et une protonation des carbones en ortho et en méta du substituant Y, et on va obtenir dans ce cas le diène le plus substitué. On va étudier dans cette vidéo les raisons de cette régiosélectivité, et pour cela, on va partir d'exemples. Et on va commencer par l'exemple d'un groupe attracteur d'électrons avec ce composé qui est un cycle benzénique avec un substituant ester qui est donc un groupe attracteur d'électrons, notamment par effet mésomère attracteur. Donc je vais écrire le mécanisme de la réaction et une fois que j'aurai écrit le mécanisme, on regardera en détail ce qui se passe et on expliquera pourquoi est-ce que le mécanisme se passe comme ceci et pourquoi est-ce que les réductions et protonations ont lieu sur les carbones ipso et para dans ce cas. Alors, ce qui se passe lorsqu'on a la réduction de Birch avec ce composé, c'est que la première étape va être donc la réaction avec le sodium. Tu te souviens, on avait vu dans la vidéo précédente qu'on a 4 étapes pour la réduction de Birch. Une étape électron, une étape proton, une étape électron, une étape proton. Donc, on commence par une étape électron avec l'intervention du sodium qui possède un électron de valence car il est dans la première colonne du tableau périodique. Donc, la première étape, ça va être la réaction du sodium avec cet électron ici, qui va réagir avec le carbone en para du carbone qui porte le substituant. Et je vais observer des mouvements d'électrons en parallèle avec les électrons de ce doublet ici. Donc l'un des électrons va venir s'apparier avec l'électron qui provient du sodium. Cet électron-là va venir sur cette liaison carbone-carbone. Et au niveau de ces deux électrons de ce doublet ici, on en a un qui va venir s'apparier avec l'électron vert et l'autre qui va venir sur le carbone en position ipso. Donc, suite à cette première étape, je veux obtenir l'intermédiaire réactionnel suivant, qui est, on l'a vu dans la vidéo précédente, un radical anion. Donc j'ai deux électrons sur le carbone ici, un électron vert et un électron rose, qui forment un doublet non liant, j'ai donc une charge négative sur ce carbone. Ici, j'ai à nouveau un électron vert et un électron orange, donc j'ai une liaison qui s'est formée ici, et j'ai maintenant mon deuxième électron orange sur le carbone en ipso du carbone qui porte le groupe ester, le groupe attracteur d'électrons. Voilà pour mon intermédiaire réactionnel, donc radical anion pour la première étape. La deuxième étape, c'est donc une réaction qui fait intervenir un proton qui provient de l'alcool du milieu et je vais avoir protonation du carbone qui porte le doublet non liant et la charge négative ici. Donc ce doublet d'électrons ici va venir récupérer ce proton. On a une réaction acido-basique et j'obtiens donc, suite à cette deuxième étape, maintenant un radical. Avec donc un composé qui a deux doublets liaisons ici. J'avais déjà un hydrogène sur ce carbone, j'en ai maintenant un deuxième. Et je garde la couleur vert clair pour symboliser les électrons de ce doublet ici. Voilà. Et j'ai toujours ici mon substituant groupe ester, avec un électron célibataire sur ce carbone ici. J'ai donc bien obtenu ici un radical. Ensuite, en troisième étape, je vais avoir à nouveau l'intervention d'un électron qui provient du sodium et qui va venir s'apparier avec cet électron orange ici et je vais obtenir à ce moment-là un anion. Donc j'obtiens ensuite à cette nouvelle étape qui fait intervenir un électron, le composé suivant, avec toujours mon groupe ester. Et j'ai dorénavant deux électrons, un électron violet et un électron orange, au niveau de ce carbone ici, qui porte donc une charge négative. Donc j'ai obtenu ici un anion. Et la dernière étape, ça va être une réaction acide-base, qui fait intervenir un alcool du milieu comme acide,
avec protonation de ce carbone en Ipso ici et ce double non liant qui va venir récupérer un proton qui provient de l'alcool. Et au final, j'obtiens bien un diène avec ces deux doubles liaisons ici. Et sur ce carbone, j'ai maintenant donc un substituant groupe ester et un hydrogène. Et je peux même remettre, pour que ce soit bien clair, les deux hydrogènes ici sur le carbone en para. Voilà donc pour le mécanisme réactionnel dans le cas d'une réaction de Birch avec un substituant attracteur d'électrons. Alors pourquoi est-ce que la réaction se passe comme ceci? Eh bien en fait, on va regarder en détail ce composé ici, cet anion qu'on forme suite à la troisième étape. Et je vois que grâce au groupe attracteur d'électrons ici, je vais pouvoir avoir une stabilisation par mésomérie. Je vais pouvoir écrire une forme mésomère qui fait intervenir le groupe attracteur d'électrons pour stabiliser la densité électronique que j'ai sur mon carbone en Ipso. Donc je peux avoir le mouvement, donc ce doublet d'électrons ici, qui est sur le carbone en Ipso, qui va venir sur la liaison carbone-carbone avec les électrons pi de la double liaison carbone-oxygène qui vont se rabattre sur l'oxygène. Et je peux écrire la forme mésomère suivante. Donc j'ai donc ce composé cyclasis avec ces deux doubles liaisons. Au niveau de ce carbone, j'ai maintenant une double liaison avec l'autre carbone qui est lié à un oxygène qui a maintenant trois doublets non liants et qui porte une charge négative, un groupe méthoxy ici, avec du coup, si je garde mes couleurs, ce doublet en rose ici. Voilà, donc ce que j'ai pu mettre en évidence ici, c'est que du fait qu'on va avoir une réaction du sodium au départ sur le carbone en para, dans le mécanisme réactionnel, à un moment, je vais pouvoir avoir un intermédiaire qui va être stabilisé par mésomérie grâce au caractère attracteur du substituant. Parce que j'ai une réaction en para au tout départ, je vais avoir une densité électronique importante sur le carbone en Ipso qui va être stabilisée par le caractère attracteur du substituant sur ce carbone. Et c'est pour cette raison que je vais avoir le mécanisme qui va se faire ainsi et que au final, je vais pouvoir réduire et protoner les carbones en Ipso et para de ce composé. Donc le caractère attracteur du substituant permet de stabiliser l'intermédiaire réactionnel qui aura une densité électronique importante sur le carbone en Ipso. On va voir maintenant ce qui se passe pour l'autre cas. Le cas d'un groupe, cette fois-ci, donneur d'électrons avec l'exemple du méthoxybenzène. De la même manière, je vais commencer par écrire tout le mécanisme réactionnel et ensuite on discutera des différentes étapes et des raisons qui expliquent la régiosélectivité de cette réaction. Donc je vais partir du méthoxybenzène que je fais réagir dans une première étape avec le sodium. Et la toute première étape, ça va être la réaction de cet électron célibataire du sodium qui va venir réagir au niveau de ce carbone ici. Le carbone en ortho du carbone qui porte le groupe méthoxy. Au niveau des deux électrons de cette liaison, je vais avoir un des électrons verts qui va venir s'apparier avec cet électron violet et le deuxième électron vert qui va venir sur cette liaison ici. Au niveau de cette liaison pi ici, je vais également avoir des mouvements d'électrons avec un premier électron qui va venir s'apparier avec l'électron vert pour former une liaison pi au niveau de cette liaison carbone-carbone et ce deuxième électron orange qui va venir sur ce carbone et on va former un radical anion de la même manière que pour la réduction de Birch classique. Donc je vais donc avoir le composé suivant suite à cette première étape, mon anion radical avec un électron violet qui provient du sodium ici, un électron vert. Donc j'ai donc un doublet non liant et une charge négative sur ce carbone. J'ai maintenant également un électron vert ici qui est apparié avec un électron orange et je forme une liaison pi entre ces deux carbones. Et il me reste un électron orange sur le carbone en méta du carbone qui porte le groupe méthoxy. J'ai donc bien formé un radical anion suite à cette première étape. La première étape faisait donc intervenir un électron. On va voir maintenant une deuxième étape qui va faire intervenir un proton avec une réaction acido-basique qui va faire intervenir l'alcool du milieu. Donc on va avoir une réaction avec ce doublet non liant ici d'électron qui va venir récupérer le proton de l'alcool, comme ceci, et on va avoir ainsi protonation du carbone en ortho du carbone qui porte le groupe méthoxy. Donc l'intermédiaire réactionnel que je vais obtenir à ce moment-là, ça va être ce composé. Donc j'ai toujours cette double liaison ici, cette double liaison ici, mon groupe méthoxy. Dorénavant sur le carbone en ortho, j'ai donc un hydrogène. J'en avais déjà un présent au départ, donc j'en ai deux. Et on a toujours
un électron célibataire sur le carbone en méta du carbone qui porte le groupe méthoxy ici. Et donc j'ai obtenu ici un intermédiaire réactionnel radicalaire. Je vais avoir une troisième étape qui va faire intervenir à nouveau un électron par l'intervention du sodium et de son électron célibataire. Je vais donc avoir réaction du sodium avec ce radical et on va avoir ces deux électrons ici qui vont s'apparier et on va obtenir un anion suite à cette étape. Donc suite à l'intervention du sodium, je vais obtenir ici le composé suivant. Donc j'ai toujours mon groupe méthoxy, ici j'ai toujours mes deux hydrogènes. Et dorénavant sur ce carbone, j'ai un électron orange et un électron violet. Et donc j'ai une charge formelle négative portée par ce carbone ici. La dernière étape, ça va être à nouveau une étape qui fait intervenir un proton avec l'alcool du milieu. On va avoir protonation de ce carbone en méta avec ce doublet ici qui va venir récupérer un proton. Et on va obtenir au final le diène avec le groupe méthoxy toujours sur ce carbone, les deux liaisons pi. Et j'ai donc eu maintenant un hydrogène supplémentaire porté par le carbone en méta. Donc voilà le mécanisme réactionnel de la réaction de Birch à partir du méthoxybenzène. Maintenant que j'ai écrit le mécanisme, on va se poser la question de qu'est-ce qui explique la régiosélectivité de cette réaction dans le cas où donc on a un groupe qui est ici donneur d'électrons. Pourquoi est-ce qu'on va avoir une réduction et protonation des carbones qui sont en ortho et méta du carbone qui porte le groupe méthoxy et pourquoi est-ce qu'on obtient alors le diène le plus substitué? Eh bien en fait ça s'explique par le fait que si on regarde le mécanisme ici, tu vois que le fait que le sodium réagisse au départ avec le carbone en ortho, ça fait qu'on a une densité électronique importante sur les carbones en ortho et méta au cours du mécanisme. Tu vois que ici on a la charge négative et le doublet sur le carbone en ortho et ici sur le carbone en méta. Pourquoi est-ce que c'est ça qui se passe plutôt qu'une réduction des carbones en iso et para comme on l'a vu au-dessus? Et bien dans le cas d'un groupe donneur d'électrons, je vais avoir tendance à augmenter la densité électronique au niveau du carbone en ipso. Et par conséquent, si j'avais une densité électronique supplémentaire qui apparaissait lors du mécanisme, j'aurais une forte déstabilisation de l'intermédiaire réactionnel. Du fait que sur le carbone qui porte le groupe méthoxy, on a déjà une densité électronique élevée du fait du caractère donneur du groupement méthoxy ici. Le groupe méthoxy est un groupe mésomère donneur. Et donc on a déjà une densité électronique relativement élevée sur la position ipso. Et dans ce cas, le mécanisme réactionnel qui ferait intervenir un ajout de densité électronique encore plus sur cette position ipso, ce ne serait pas du tout favorisé et on aurait des intermédiaires réactionnels plutôt déstabilisés à cause du caractère donneur du groupement méthoxy. Et c'est à cause de ça que dans le cas de la présence d'un groupe donneur d'électrons, la réduction et la protonation va se faire de manière exclusive sur les carbones en ortho et méta, et pas du tout sur les carbones en ipso et para. Autant lorsqu'on a un groupe attracteur d'électrons, une densité électronique élevée sur le carbone en ipso est stabilisée par le caractère attracteur du groupe, autant lorsqu'on a un groupe donneur, cette densité électronique serait défavorisée, et donc la réaction se passe plutôt sur les carbones en ortho et méta. Alors quant à l'ordre du mécanisme réactionnel ici, il y a eu des débats jusque récemment sur l'ordre de la réaction, à savoir est-ce que c'est d'abord le carbone en position ortho ou en position méta qui est protoné. Et les études les plus récentes montrent qu'on a bien cet ordre-là, avec d'abord une protonation du carbone en ortho, puis du carbone en méta.